Bonjour la maison, je m'appelle Giz et aujourd'hui on fait quelque chose de très spécial, un combat sans merci entre deux boîtes de métal. Nous aurons Tyranitar ainsi que Empoleon. Alors ce sont deux boîtes qui contiennent 5 boosters. On va ouvrir tous les boosters afin de savoir quelle est la meilleure boîte et pour ce faire, on va utiliser un système de pointage. C'est inspiré du système de pointage de A-Drive, un de mes YouTubers Pokémon préférés et ça va aller comme suit. 1 point pour une Rare Reverse ou Holo régulière, 2 points pour une Holo Rare, 3 points pour une Ultra Rare, 4 points pour une Rainbow Rare et 5 points pour une Secret Rare. Alors que la meilleure boîte gagne, c'est parti! On va ouvrir celle d'Emporion en premier. On va en profiter pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on a une jolie carte d'Emporion. Il est tellement sympathique. Et puis on a les boosters. C'est tout. Donc ces boîtes-là, après ça, peuvent vous servir à mettre des biscuits. Empoleon et ses 5 boosters sont prêts! On va maintenant faire de même avec la boîte de Tyranitar. Tyranitar qui a été un fidèle compagnon pour moi à Pokémon Go. Ça a été mon Pokémon de prédilection pour les raids, pour briser les gyms. Bref, une grosse histoire d'amour entre lui et moi. Voilà, on a notre deuxième équipe! Est-ce que vous êtes prêts pour ce combat? J'aimerais que vous écriviez vos prédictions sans tricher. Maintenant, avant que ça commence, est-ce que ce sera Empoleon ou Tyranitar qui va gagner? Allez, c'est parti! On ouvre le premier booster d'Empoleon. Allez, on y va, c'est pour vous! Et puis, on fait 1, 2, 3, 4. Quel combat en perspective! Énergie! Un Bouffalant. Allô? Un Cradant. Grumpig. Baltoy, qu'on avait déjà vu. Monsieur Mime Galarian, regardez s'il est beau. Un mime de glace. Formantis. Spearow. Ensuite, on a Zubat en laine. Et une énergie. Malheureusement, ce n'est pas une rare. Et la carte la plus importante? Oh, ça n'a pas l'air de voler haut, ça! Malheureusement, 0 point pour cette première manche. C'est au tour de Tyranitar de répliquer. On va aller voir si on peut faire mieux. Cochon sur un spring. Il m'énerve. 1, 2, 3, 4. Alors, une énergie de feu pour Tyranitar, ça part bien. Heat More, encore le thème du feu, mesdames et messieurs. Un Scroll of Scorn. Un Bisharp. On a Spoink. Rolicoli. Allez, allez, allez. Frilish. Espeur. Et... J'étais une en avance. Blipbug. Et... Ouh! Wow, une Crobat, c'est une rare, ça vaut 1 point et c'est pas terminé. Regardez ça. Boum! Un Corviknight. Grâce à cette ultra rare, on a 3 points supplémentaires. 3 plus 1, c'est déjà 4 à 0. Deuxième chance pour Empoleon, en espérant qu'il puisse remonter la pente. Alors, 1, 2, 3, 4. On commence avec une énergie coup de poing sur la gueule. Un Experience Share, je le dirai jamais assez. Meilleur item à Pokémon. Purugly, il est let. Une tour de la noirceur. Un Espeur. Rolicoli. Un Shinx. Blipbug. Pognard et, oh mon dieu, je vois déjà le spoiler, désolé à la maison. Je vais essayer d'être meilleur, mais en même temps, c'est correct, on le voit. On a un Colossal, donc une reverse rare, donc c'est 1 point. On brise la glace, et pas juste un peu, regardez ça, boum! Hein, la même! Bon ben, coudonc, c'était quoi les chances qu'on pogne deux fois la même ultra rare? On poursuit ce combat endiablé, allez! Allez les ongles, suivez, il faut que vous suiviez.
Pop! 1, 2, 3, 4. Mon Dieu, les 4 ont l'air maganés dans ce paquet-là. On espère avoir des bonnes choses, mais pas trop, parce que, en tout cas, on a un œil! Broxish, Carnivine, Sordor et Shelbert, on les salue. Zubat, Cubone, on a Frilish, Blipbug, Rolicoli et Salandi. Malheureusement, c'est une reverse qui vaut 0 points et un Drampa. Déception, c'est l'égalité. Oh, la pression est à son comble. J'ouvre le paquet, je rate mon coup, je l'ouvre dans l'autre sens. Mon Dieu, que d'émotion, c'est le mot que je cherchais. Pam, 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 pam. 1, 2, 3, 4. Allez, je le sens bien. Allez, Team Pingouin. Énergie, coup de poing sur ta gueule. On a ensuite Vanillish. On a Simissage. Ah, tabarn, je vois déjà qu'il y a une surprise à la fin. Kabou. Mareep. Penseor, on veut y aller, let's go. Dino. Koufan. Wishiwashi. Et là, on a Bansuit qui vaut 0 point, mais... Mais... Wow! Eternatus VMAX! Il est ben badass! Une carte ultra rare qui rajoute 3 points à notre pingouin! Mon Dieu, j'ai l'impression d'être en train de jouer une game d'échecs tout seul, mais j'ai du plaisir! On va aller voir maintenant le troisième paquet de notre Tyranitar! Un petit code pour vous! 1, 2, 3, 4! On essaie de pas faire de spoiler! On a une énergie! Un Corvispear! Un Pupitar! Un Combusken! Un Jigglypuff! Rowlet! Cubshoo! Aran! Starly! Mon Dieu, je vois la carte au bout! Je la vois! On a un Razor Leaf, malheureusement. Ça vaut 0 point. Et... un Vikavolt! Il est beau! Bon, une autre ultra rare, cette fois pour Tyranitar. C'est l'égalité 7 à 7! Non, mais quel match enlevant! Hein? Vous attendiez pas à ça? Allez! On ouvre des petits paquets. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ceux-ci? 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça va aller en prolongation? Je le sais pas. On a une énergie. La Pokémon Center Lady, on la salue. Stunfisk. Drizzle. Yamper. On a Goldeen Goldeen. Bleepbug. Silicobra. Joltik. Ah, oh, lui, il est cute. Et on a un Blipbug pour 0 point. Et un Cinchino. Malheureusement, elle n'est pas holo. Un coup dur pour Empoleon qui n'a pas pu prendre les devants. Il n'a qu'un seul pack restant. Ça sera pas facile. Alors, on va ouvrir ce petit pack pour notre Tyranitar. Allez. 1, 2, 3, 4... Ah! Allez, mon petit dinosaure, fais des points! On a une énergie! Une canne à pêche très ordinaire, faite pour attraper seulement des Magikarp, croyez-moi! Un Sea King! Un Galarian Linoon! Très beau Pokémon de type Rock des années 80! Blipbug, qui est très présent dans nos paquets! Chewtle! Moona! Roselia! Ah, oh, je l'aime, Roselia! Shiny et super belle à Pokémon Go. Allez, un Vulpix et... Wow! Un gros... un Croagunk qui vaut 0 point. Et puis, on finit avec... un Drapion qui est très joli, très impressionnant, mais qui vaut aussi 0 point. Bon ben, ça va se jouer sur le dernier paquet pour ce combat épique. On y va avec le dernier paquet de Empoleon. Allez! Voyons. C'est un paquet pas ouvrable. C'est truqué. Il doit avoir des excellentes cartes. Quand le paquet s'ouvre pas, c'est toujours un signe.
Alors, 1, 2, 3, 4. Dernière chance pour notre pingouin. Plus de points possibles pour lui. Souhaitons-lui bonne chance. Une énergie. Un Komala et non un Koala. Un Gliscor. Machoke, mon Dieu, il soulève des montagnes. Un Alolan Sandshrew, très joli. Stuffle. Oh. Tentacool. Un Nilioptil. Un Petilil. Un Murkrow, malheureusement, c'est 0 points. Et un Golisopod pour 2 points. C'est une Holo Rare. Est-ce que la remontée sera possible? La question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que Tyranitar peut encore remporter ce match? La réponse à tout cela dans un instant. Oh mon Dieu, le dernier paquet de la vidéo. Espérons que ça en soit un bon. 1, 2, 3, 4. On place ça comme il faut. Je sens que toi, tu seras excellente. Alors, nous avons une énergie de type gazon. Un Sudoku, qui fait des mots croisés. Marshmallow. Du recyclage d'énergie. Hein. C'est comme un bac à compost, mais à énergie. Un Goomy. On a un Wimpod. On a un Jangmo. On a un Trubbish. Mon Dieu, est-ce que Tyranitar peut revenir de l'arrière? Un Whelmer. Hey, tabarnouche, check la grosse baleine. Et... oh! Un point pour le Rayquaza et je sens qu'on a quelque chose à l'arrière, on le voit, hein? Vous le voyez comme moi? Alors, Tyranitar est seulement un point derrière, mais on sait qu'il l'emporte. Et on va voir avec quoi? Avec... wow! Un Sylveon! Qui est bien beau! Un Eevee de type fée! Ben là, ça finit donc bien! C'est mon nouveau Eevee préféré! Et on va mettre ça dans une sleeve tout de suite! Allons voir les faits saillants de ce match opposant Empoleon et Tyranitar. Dans l'équipe d'Empoleon, nous avons une Reverse Rare pour 1 point, une Holo pour 2 points. Ensuite, nous avons deux Ultra Rares avec Eternus VMAX et Corviknight V. Dans l'équipe de Tyranitar, nous avons Crobat en Reverse pour 1 point. Ensuite, Rayquaza qui est aussi rare Reverse pour 1 point. Puis, nous avons 3 Ultra Rares avec Vikavolt, Sylveon ainsi que Corviknight. Un combat remporté par Tyranitar, une défaite crève-cœur pour Empoleon qui a perdu sur le dernier paquet. Alors voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On n'a malheureusement pas eu de Rainbow Rare. On n'a pas eu non plus de Secret Rare. Mais ce n'est que partie remise. Quelle était votre carte préférée de l'épisode? Moi, c'est sans aucun doute. Il est où? Mon plus beau? Ah, le Sylveon. Allez, à bientôt!